Shalom, frères et sœurs, auditeurs et auditrices de Radio Maria. Que la paix soit sur vous. Aujourd'hui, 11 avril, la Sainte Église célèbre Saint Stanislas, évêque de Cracovie, martyr de 1030 à 1078. Écoutons la vie de Saint Stanislas, une vie de foi pour son Seigneur. Saint Stanislas naquit de parents fort avancés en âge, marié depuis 30 ans et encore sans postérité. Dieu, qui avait des vues élevées sur cet enfant, lui inspira dès son bas âge de grandes vertus, surtout la charité pour les pauvres et une mortification qui le portait à jeûner souvent et à coucher sur la terre nue, même par les plus grands foies. Après de brillantes études, il n'aspirait qu'au cloître. À la mort de ses parents, il vendit leur vaste propriété et en donna le prix aux pauvres. Stanislas dut se soumettre à son évêque qui l'ordonna prêtre et le fit chanoine de Cracovie. Il fallut avoir recours au pape pour lui faire accepter le siège de Cracovie, devenu vacant. Ses vertus ne firent que grandir avec sa dignité et ses obligations. Il se revêtit d'un cilice qui le porta jusqu'à sa mort. Il se fit remettre une liste exacte de tous les pauvres de la ville et donna l'ordre à ses gens de ne jamais rien refuser à personne. La plus belle partie de la vie de Stanislas est celle où il fut en butte à la persécution du roi de Pologne, Boleslas II. Ce prince menait une conduite publiquement scandaleuse. Seul l'évêque osa comparaître devant ce monstre d'iniquité et d'une voix douce et ferme, condamner sa conduite et l'exhorter à la pénitence. Le roi, furieux, attendit l'heure de se venger. Le pontife avait acheté pour son évêché devant témoins et il avait payé une terre dont le vendeur était mort peu après. Le roi, ayant appris qu'il n'y avait pas d'acte écrit et signé, gagnant les témoins par promesse et par menace, et accusa Stanislas d'avoir usurpé ce terrain. L'évêque lui dit, « Au bout de ces 3 jours, je vous amènerai comme témoin le vendeur lui-même, bien qu'il soit mort depuis 3 ans. » Le jour venu, le saint se rendit au tombeau du défunt. En présence d'un nombreux cortège, il fit ouvrir la tombe où on ne trouva que des ossements. Stanislas, devant cette tombe ouverte, se met en prière, puis touche de la main le cadavre. « Pierre, dit-il, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, viens rendre témoignage à la vérité outragée. » À ces mots, Pierre se lève, prend la main de l'évêque devant le peuple épouvanté et l'accompagne au tribunal du roi. Le ressuscité convainc de calomnier le roi et les témoins et de nouveau accompagne l'évêque jusqu'au tombeau qu'on referme sur son corps redevenu cadavre. Loin de se convertir,
le roi impie jura la mort de Stanislas et bientôt l'assassina lui-même pendant qu'il offrait le saint sacrifice. Saint Stanislas, une véritable vie de sainteté. À tous ceux qui portent le prénom de Stanislas, nous souhaitons une belle fête patronale. Soyez saints comme votre saint patron. Que la bénédiction de Dieu descende sur nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain pour le Saint du jour.